Et je dis à nous-mêmes chrétiens, fais la foi, restez dans mon Dieu, fais confiance, et gloire nous la manifester. On ne va pas entrer dans le temple matin, mais on ne va pas en parler de l'évangile. On ne va pas en parler de l'évangile. Nous ne devons pas en parler de l'évangile. Priez la caille nous, libib nous, fais réunion de prière, la famille réunie. Donc pour nous capables d'invoquer le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui guérisse, le nom de Jésus qui délivre, le nom de Jésus qui pardonne. On nous met tête nous ensemble pour nous faire une chaîne de solidarité, pour nous gommer contre la pandémie, ça, pour nous gommer contre le fléau, ça, et nous traverser sans danger au nom de Jésus. Et si nous faisons Dieu confiance, et si nous pratiquons tout principe d'hygiène, nous traversons sans danger. Parce que bon Dieu nous en merveille. Ils ont bon Dieu merveille. Tout côté le passé, c'est merveille. Ils ont bon Dieu de grâce. Bon Dieu de pardon. Nous allons l'adorer pour nous capables de prier. On sait le bagage, moi Dieu. Pas oublier. Fais passe, Dieu, pasteur Renan Dieu, frère Renan Dieu, papa Laman Dieu, ou pas de la panne l'évangile, l'évangile pas qu'on a panne, ou pas de la panne l'évangile, ou pas de la jambe en panne l'évangile, faut que l'évangile la voit tout côté passé, tout côté y est. Dormi avec l'évangile là, marcher avec elle, manger avec elle, voyager avec elle, faire toute activité avec l'évangile là. Un seul bagaille, pas oublier, mes frères et sœurs, c'est pour nous respecter le principe d'hygiène, c'est pour nous respecter le principe, pas sortir sans besoin, et c'est pour nous prier mon Dieu, et puis faire confiance. Agis la foi sans douter. Et c'est pour ça que gloire non va manifester. Oui, bon Dieu réel. Oui, bon Dieu vivant. L'éternité envahit.